Allez, coucou tout le monde, Laurent GGF, aujourd'hui, nid de frelons asiatiques. Alors c'est vrai que régulièrement on peut voir des nids de frelons asiatiques qui sont placés soit sous un bardage bois, une avancée, un abri de piscine, etc. etc. Et ce matin, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour cette vidéo-là pour vous faire voir où était placé le nid de frelons asiatiques. Voilà, alors en même temps j'en profite, vous voyez, hier j'ai eu l'occasion d'aller descendre à Happy Distribution à Bordeaux. Et j'ai Benoît, le patron, il m'a proposé une nouvelle tenue qui commercialise et qui est, vous allez le voir, regardez, une fabrication française. Ça c'est important, je pense, de dire que c'est une fabrication française. Alors je suis tout blanc avec les gants tout sales, ça c'est pas très grave. Et vous voyez ici, il a mis un beau logo Happy Distribution. Voilà, alors c'est juste pour lui donner un petit clin d'œil parce que en la mettant ce matin, je l'ai trouvé assez agréable et la fermeture assez sympa. Par contre, si je me fais piquer, je reviendrai vers lui. Non, il n'y a pas de raison. Nid de frelons asiatiques, je vous dis pas où il est. Je vous ferai un panorama dans le secteur où il est et après, hop, je recalerai dessus pour vous faire voir, pour vous dire que ben, c'est un frelon qui était prêt. Oh, petite merde, j'avais peut-être dit un peu trop. A tout de suite. Bon, voilà, allez, c'est parti. Alors, regardez ici, on aurait pu penser que le frelon asiatique, il aurait pu s'installer. Ça, ici, sans problème. Même là, on a une bétonnière. Je peux vous assurer que ça s'installe facilement à l'intérieur et je vais aller vérifier, voire même sur le cabanon qui est derrière. Là-dessous, derrière, on peut aussi avoir un nid de frelons asiatiques. Ici, au sol, sous la terrasse, on peut très bien avoir un nid. C'est pas un problème, s'ils savent s'installer. Alors là, dans le cabanon, je peux vous assurer qu'il y a toutes et toutes sortes de possibilités pour qu'ils puissent s'installer. Ça, là-dessus... Vous voyez, il peut très bien être derrière, on pourrait très bien en avoir un derrière là-bas. Là, pareil, sous l'établi, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà, hop, je vais peut-être un peu vite. Derrière le carton, on aurait pu très bien avoir eu un cas sur le bord du carton. Ici, ici, très bien. Là aussi, à l'intérieur de ça, on peut en avoir un. Et par ici, ici, aussi, voilà. Et surtout, ce qu'on trouve régulièrement, c'est au niveau des plafonds, c'est-à-dire au niveau des tuiles. Là, on aurait pu avoir des bébés. Alors, je ne sais pas si sur le tour d'horizon, vous avez pu constater où c'est qu'était le nid. Voilà, c'est parce que j'avais fait assez vite et je fais de la présentation. L'idée, c'est que je fais une petite coupure de quelques secondes. On pourrait presque faire une petite page musicale, mais bon, non, on ne va pas faire ça. Voilà, je fais une pause. Tac, allez, c'est reparti, je refais demi-tour et je vous fais découvrir sur l'horizon. Et si vous l'apercevez, eh bien voilà, vous avez gagné. Et là, je vais vous le faire voir. Regardez le casque de moto, il est juste posé là. Et imaginez quelqu'un qui prend un... S'il avait eu une visière ou les lunettes devant. Ben, regardez un petit peu, je m'approche au niveau du casque, regardez. Mais qui est là? Vous avez vu les petits frelons? Alors là, c'est des petits frelons. Hein. Faut penser que la première génération de frelons asiatiques, comme il faut que ça aille très très vite, ils sont entre guillemets rachitiques. Hein. Et la deuxième génération va être d'ouvrières beaucoup plus grosses. Et la troisième, ça va être des ouvrières, des mâles et des femelles sexuées. Voilà, et à peu près, voire la quatrième. Allez. Regardez un petit peu si je mets mon doigt. Hop! Oh l'enfoiré, il m'a fait peur quand même celui-là. Il est autour de moi. Vous avez vu? Regardez. Comment ça suit mon doigt. Il faudrait pas fasse plus pour que, s'imaginer sur un grenier, ça serait déjà une attaque. Regardez un peu. Hop, hop, et hop, ça décolle. Et là, tout de suite, regardez ce qu'il a fait. Il a piqué. Alors là, c'est de la provoque, hein. Mais vous avez bien vu que... On passe à côté et on veut prendre quelque chose directement, on peut se faire piquer. Ah, regardez, il y en a une qui vient de rentrer. Il y a une petite boulette dans la gueule. Et là, elle est sur la construction du nid. Alors, petite info en même temps, j'en profite, j'essaye d'équilibrer le maintien de la caméra. Il faut savoir que pour que le nid évolue, en termes de taille, intérieur-extérieur,
Là, l'ouvrière qui avait la boulette dans la gueule, elle va continuer les chips en extérieur et les végétaux qui vont être à l'intérieur vont servir à la construction des plateaux. Voilà. Allez, imaginez un petit peu, quand on rentre, on n'est pas forcément... Ah, regardez, je vais partir à frelon. Ça y est, c'est libéré. Il était rentré dans une toile d'araignée, mais bon, il a quand même la force d'arriver à se libérer. Et hop, un autre qui rentre. Vous avez vu? Alors, c'était rapide, hein, mais contrôle aérien, comme sur tous les nids, hein, les abeilles font la même chose. Là, je sais pas combien on a d'individus. Ah, regardez, on voit la reine qui est sortie, la fondatrice. Regardez, elle est là. Là, elle est là pour se dire qu'est-ce qui se passe dehors. On va essayer de voir. Hop, vous voyez. Une petite déjection de pipi en passant. On voit quand même la taille, hein, complètement différente par rapport à l'ouvrière qui est juste à côté. Regardez un petit peu. En même temps, elle a profité pour faire ses besoins. Vous voyez, contrôle aérien, toujours pareil. Chaque fois quelqu'un qui rentre et qui sort, et bien, il est surveillé. Hein. C'est normal. Il a la même phéromone que le nid, c'est bon. Il peut y rentrer, sinon il ne rentre pas. On va savoir qu'il y en a beaucoup aussi qui se posent dessus et qui vont tout de suite sur la construction. Hein. C'est surtout pour rapport à la rentrée dans le nid. Hein. Mais en même temps, les ouvrières qui sont en train de bâtir autour, de temps en temps, elles ont des gardiennes qui viennent leur faire un petit contrôle. Hein. Bon, là, l'idée, c'était de la récupérer dans un bocal, mais au vu de la taille, j'ai pchité. Et on peut voir les dégâts, quoi, les déchets que ça a commencé à faire dans le nid. Je vais essayer de vous faire ressortir la fondatrice. Alors je pourrais filmer pendant des heures, mais ça va pas être possible, mais vous l'avez compris. Regardez la taille de la fondatrice à côté des ouvrières. Alors là, il faut penser que si elle ne va plus chercher de nourriture, ceux que vous allez tuer, s'ils sont toutes petites, c'est les ouvrières, la première génération. Voilà, allez, gros plan. Casque de moto, c'est pas moto, c'est bah vous me le redirez, je crois que c'est trial, ouais voilà, c'est ma casque un peu sympa, c'est très sympa. Voilà, je vous fais le tour d'horizon, vous l'aurez compris, l'environnement s'apprêtait que la fondatrice aurait pu s'installer où elle voulait, mais là, je pense que elle s'est dit après le confinement, je vais prendre mon casque, je vais pas aller jouer aux boules, ma préférence, ça va aller à faire de la moto. Bon, vous l'aurez compris, là, le nid de frelon asiatique, ce que j'ai fait avant, c'est de m'assurer que là, quand même la fondatrice était dedans, parce que, à savoir que à un moment, la fondatrice, bah, qui va passer la reine en statue reine, hein, à un moment, elle continue à le travailler, et on peut avoir 7, 8, 10 ouvrières, et elle continue à sortir un petit peu. Là, sachant qu'on la voit, on sait qu'elle est à l'intérieur, on n'a pas de risque de la perdre. Alors là, j'ai poudré tout doucement. Et vous voyez que tout de suite, hop, je vous fais un gros plan. Là, il y a eu l'odeur en plus de la pointe. Allez, c'est parti pour un gros plan. Voilà, regardez. Déjà,
quand j'amène la pointe. Pas très content. Voilà, on en a compté 3. Et en termes de produits, c'est pas la peine de détériorer la nature. Un tout petit peu de produit, ça suffit pour les esquinter et les tuer. Alors, en sachant que sur beaucoup de nids, la fondatrice met des fois souvent du temps à sortir. Et là, elle sort toujours pas. Et on a un phénomène qu'on peut voir un petit peu sur ce nid-là, c'est que quand ils sont désorientés, qu'ils ont neurologiquement ils sont atteints, ceux qui sont blancs, sur les très très gros nids, c'est flagrant, ils s'attaquent entre eux parce qu'ils ont perdu leur phéromone qui leur sert quand ils rentrent au nid. C'est-à-dire que celle qui va rentrer, elle va attaquer les autres. Voilà, c'est le troisième effet qui se coule du produit, c'est-à-dire que c'est neurologique, respiratoire. Et en même temps, de s'attaquer les uns les autres avec le talc et le produit qu'on a mis dedans. Vous voyez, ça peut être très long avant qu'elle sorte. Ah, ça y est, elle sort. Voilà. Et là, la fondatrice, faut considérer que... Hop. J'ai pu l'écraser au vol. Super. Et vous voyez, toutes celles qui rentrent, elles se contaminent les papates en rentrant. C'est ce qu'elle vient de faire, un frottage de pattes. Et automatiquement, sont contaminées. Regardez, en haut, on voit en haut à droite. Et là, ça y est, même si on a mis très peu de produits, ça prend un petit peu plus de temps pour elle, mais voilà. Par contre, on n'a pas d'effet mécanique sur la larve, ni sur la nymphe. Mais par contre, si on a du produit sur un nid qu'on a traité, le frelon qui va sortir d'operculation automatiquement se contamine. Voilà, on le voit bien, hein, l'échage de papates en bas. Alors voilà, je reviens sur mon casque. C'est un frelon asiatique qui avait décidé de se déplacer en moto. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Là, on a le fond de la coquille, le pied d'accrochage, et là, l'intérieur du nid, avec le trou qui est dans le fond. Et là, tout de suite, on peut s'apercevoir qu'on a un petit plateau avec des œufs, pas encore des larves. Et après, en dessous, si on enlève, là, on avait des œufs qui ont été pondus aujourd'hui, hier peut-être. Là, ça va très vite. Hein. Mmh. Et en dessous, ouais, justement, on a des œufs, toujours pareil, ouais. Des larves, et des larves qui ont operculé pour devenir des nymphes et des futurs frelons. Et là, au milieu, on peut voir qu'il y a des places qui ont été libérées. Et en même temps, on le voit mal, mais il y a normalement supposé avoir de la crotte à l'intérieur, dans le fond, des excréments. Et tout de suite derrière, les opercules, ils sont réoccupés par un œuf. Donc on voit des œufs dedans. Excellent. Voilà. Et là, si on ouvre un opercule, pour certains, ça va être on a de la chance d'être à l'ombre, c'est pour ça que c'est sympa de pouvoir voir en même temps la suite de la vidéo. Si on ouvre certains opercules, on va avoir des larves en cours de forme. Hop, on n'a pas de chance. Alors là, c'est des larves qui ont operculé. Par contre, ce qu'on peut dire sur la larve, c'est que celle-ci, comme elle est en transformation pour devenir une nymphe, elle est blanche, elle n'a plus d'excréments dans son intérieur. Là, ça serait, j'irais, comme les escargots, c'est dégorgé, c'est prêt à manger. Ah. Mais oui, il n'y a plus de goût de merde, là. Voilà, bon, pour les internautes, voilà, vous l'aurez compris. C'est comme les escargots, les larves de frelons, il faut que ça soit dégorgé pour pouvoir les consommer. Là, c'est, voilà, là. Bon appétit. Bon appétit. Et là, je reviens dessus. Alors, j'ai qu'une main, l'autre tient la caméra. Alors, on va ouvrir dans le milieu, peut-être. Tac. Là, toujours des larves, ça c'est des larves qu'on aurait operculées, mais là, si on ouvre là, je pense qu'on va peut-être avoir la surprise d'avoir des nymphes en cours de fabrication. Allez, je vais couper et je reviens tout de suite et je vous fais voir ce que j'aurai dans la main tout de suite. Voilà, regardez, toujours le casque qui est là.
Et là, c'est vraiment des vedettes parce que même là, on a une... Non, mais fallait laisser le téléphone. On a double film. Et là, hop, c'est la nymphe. Oui, vous voyez, il y a deux stades nymphales avant de venir des frelons. Il n'y a encore pas les ailes. Et là, il faut imaginer que si on les voulait voyez bouger sur la vidéo, c'est qu'elles rêvent déjà de manger des abeilles. Ah oui. Non, 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 c'est une bêtise que je dis. Il joue pas, moi. Non, c'est une bêtise, non, non. Mais on peut imaginer qu'elles rêvent déjà de manger des abeilles. On peut, oui, parce on que c'est la première chose qu'elles vont faire en sortant, c'est aller bouffer nos abeilles. Ça, c'est clair, oui. Voilà. Je pourrais faire gober n'importe quoi à ma cliente. Et puis moi, je suis bon public, en plus. Bon public, bon, super. Bon, voilà, vous l'aurez compris, j'ai un bon public. Mais là, c'est vrai, on pourrait imaginer ça, que ça rêve des abeilles. Oui. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toi, Laurent. Mais je te remercie. Je te remercie aussi à toi, ton accueil. Et puis, pour le café, et pour aussi en même temps, voilà. Je vais retourner à la caméra, je vais vous dire comment j'ai été reçu ce matin, parce que c'était très gentil. J'ai fait le casque de moto qui est là, mais en même temps j'ai été reçu avec le café et les chouquettes. Merci à vous, merci à toi. Ça m'arrive régulièrement qu'on m'invite à boire un café, boire une boisson fraîche quand il fait chaud. Mais là, la chouquette, j'ai apprécié énormément. Ne le dites pas à ma femme. Chut. Merci à tous, à bientôt Laurent GGF. Tu veux être sur la vidéo avec moi? Non, un peu pas. J'ai pas de chance. Au revoir à tous.